Bon, ben voilà. On a un nouveau patron. Le Qatar. Eh oh, eh, motive là, les filles, hein. Sinon, grillage, hein. Ah ouais, c'est fini là, les largesses, hein. Terminé, hein. Ça va tricoter de la burqa cet hiver à Villeparisis, hein. Hein. Non, rassurez-vous, il m'a dit le patron, c'est, ça va être la charia light. Ouais, light. 100 calories, hein. C'est... charia light, hein. C'est-à-dire, il coupe la main du voleur, mais il lui redonne après. Tiens, voilà. Tu recommences pas. Ok, c'est mal, c'est très mal. Charia light. Oh, chez le Qatar, je suis pas sûr que j'ai très envie de me faire circoncire à mon âge. Oh. Enfin, petite frisée au lardon après. Hein. Ah bah, c'est de la viande, hein. C'est cher. Hein. Tant pis. Hein. Oh, je suis pas trop pour le Qatar, moi, je suis pas trop pour. J'ai une copine, là, elle est partie là-bas. Il y a pas longtemps, là, pour un mariage gay. Hein? Oui, beaucoup de mariages gays au Qatar. Mais... sauf qu'à la sortie de l'église, ils balancent pas du riz, mais des pierres. Bah, chacun ses coutumes. Hein. Pour se faire belle, elle a acheté une petite burqa chez H&M. Hamas et Mujahideen. Bah, c'est le nom du magasin, j'y peux rien. T'es... on l'a fait une connerie. Elle a pris une burqa made in China. Elle a fait une deuxième connerie. Elle l'a lavée. Ah bah ça, c'est l'écueil majeur du vêtement chinois, c'est l'allergie à la flotte. Hein. Elle a passé à la machine. Elle a enfilé encore humide. Ça a séché au soleil. La maille s'est rétractée. Elle s'est retrouvée en pleine mosquée, le barbu à l'air, avec une kippa sur la tête. Jésus, Marie, Joseph.